Et salut à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis en compagnie de Mélodie. Mélodie Sama. Non, je sais pas comment on dit, Non, Mélodie c'est Chan. C'est de Mélo. Mélo, 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 Mélo. Ok, et donc, on va vous raconter des choses. Déjà, petit, hein, on a des sleeves, une tin box, un courrier. Quand tu le dis, on dirait toujours que tu vas raconter un truc de ouf, genre un Ouais, secret c'est et tout. ça. Non, Et en fait, c'est éclaté. c'est juste une anecdote éclatée. Et un tri-pack de Pokémon, donc Astre Radieux. Voilà, donc. Dans la boîte, je sais pas trop ce qu'il y a. Voilà, j'ai juste pris parce que c'est Giratina V et qu'il est trop stylé. Voilà, juste pour ça. Et donc, l'anecdote incroyable, c'est ça. C'est en fait, je suis allé dans un magasin et j'ai demandé en fait au vendeur, bonjour, en fait, il m'a demandé en quoi est-ce que je peux vous aider. Moi, j'ai fait, alors en fait, j'ai cette sleeve et elle est vraiment bien. Du coup, je voulais savoir si ça correspond à quel type de sleeve. Voilà, donc je vais vous la mettre là, vous allez me dire peut-être c'est laquelle. Attendez. Voilà. Donc c'est une sleeve un peu compacte, un peu dure. Voilà, donc elle est légère, elle est solide. Et du coup, il m'a dit, ouais, ok, je vois ça. Il est revenu en moins de 2 minutes. Il a fait, voilà, c'est ce type de sleeve. Et c'est ce type de sleeve. Le mec, il est chaud. Il est Il a chaud. géré. Il a géré parce que c'est juste un bout transparent comme ça, avec juste écrit Ultra Pro. Voilà, donc le gars, il est chaud. Donc il m'a dit le pack de 100 ou le pack de 50. J'ai fait, vas-y, donne le pack de 100. Comme ça, c'est plus simple. Il y a plus de tas, donc je peux faire plus rapidement du rangement. Voilà, sur ce, on va commencer les ouvertures. Donc là, j'ai une lettre donc, de Card Market. Voilà, c'est qui le vendeur? C'est un vendeur Pokémon. Je crois, ouais. Mais il ça. Attendez, je vais décaler la caméra parce que... Voilà. Par contre, le décor, j'ai eu la flemme de le remettre parce qu'il y avait des invités et j'ai tout enlevé, mais je vais le remettre bientôt. Voilà, sauf que je l'ai enlevé il y a 2 mois. Et comme il est paresseux, il n'a pas voulu le remettre pour une vidéo. Voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, donc il nous a envoyé un petit tas. Alors, on a ce petit tas-là. Voilà. Donc, ou pas, Ring en montagne. Voilà, en fait, j'ai pris que des cartes reverse. Je crois qu'il n'y a qu'une seule carte commune. Donc là, on a la liste ici. Mais voilà, ce que je voulais voir, c'était le nom du vendeur. C'est Yann Cano. Ok. Donc, waouh, j'ai tout fait bouger. Mélodie, tu veux prendre la place pour montrer les cartes? Je vais pas les mettre. Ouais, je peux faire ça, ouais. Ah oui, encore plus de contraste, mais c'est pas grave. Si, c'est mon voix. Attends, Alors, tu bah du peux les coup, on a enlever. Ring en montagne. Attends, enlève tout directement, c'est juste scotché avec le scotch. Scotché Ok. avec du scotch. Ah ouais, c'est logique comme je le dis. Hein. Voilà, alors donc. Le focus, il est parti. Voilà, merci. Ensuite, Gamblast. Gamblast, ouais. Kyurem noir. Et je crois que c'est tout, oui. Oui, voilà, c'était des reverse. Donc là, j'ai surtout pris des reverse, je crois une seule commune, je l'ai dit ça. Peut-être. Ouais, elle m'écoute même pas. Elle fait, vas-y, quoi, tu tombes là, je m'en bats les couilles. Donc, ou pas. Ouais, ça c'est une holo, elle est incroyable. Blanc coton. Ça c'est la commune. Et Zekrom. Elle brille. Zekrom. Waouh. Ouais, voilà, donc surtout les reverse, elles sont plutôt sympas. En fait, c'est pas si cher que ça, je crois. Je crois, j'ai payé combien pour tout ça? J'ai payé. Heureusement qu'il m'a envoyé une facture, hein, j'avais oublié. 4,17€. Donc avec les frais de port hein, de 2,82€. Donc en vrai, c'est pas si cher. Donc, on continue. Les tri-packs. Les tri-packs, on me dit. Ici, on a. Deux boosters. Deux boosters de quelle série, j'ai dit au début. Soleil et lune? Non. Pas du tout. Non, 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 non. Soleil Lune, c'était il y a longtemps. Waouh, C'est c'était ça que je l'écoutais. 2015. Astre Radieux. Astre Radieux. Parce qu'il y avait astre, c'est pour ça que j'ai confondu. C'est vrai. Donc là, on a les trois dieux, j'allais dire égyptiens. Je suis parti dans Yu-Gi-Oh! Là. T'as confondu là. Ouais, C'est c'est pas pas la même les mêmes. chose. Donc Après, ce les. sera quoi? Ce sera Beyblade, c'est ça? C'est Tu vas ça. tout confondre. Alors, les trois dieux, Sulfura, j'ai leur nom, donc je vais m'aider. Sulfura, Articuda et Elector de Galar. Voilà, Attends, donc. attends. Non, ok, non. J'ai cru que c'était écrit, je me suis dit, oh, mais en fait, j'aurais pu lire, mais Non, non. c'est pas écrit.
Le plus stylé des trois, moi je trouve c'est lui quand même. C'est le petit sulfure. Je sais pas si tu préfères lequel. Oui, en vrai, ouais. Bah, le plus stylé, oui, le plus mignon, j'aime bien le violet, en vrai. Le plus mignon. Moi j'aurais dit l'autre, j'aurais dit celui-là. Lui il est mignon. Je sais pas, moi, c'est parce que j'aime bien le violet, c'est tout. C'est vraiment Alors. les seuls critères. C'était le seul critère de beauté. Oh, il est... J'aime bien le violet moi, donc à partir de ce moment-là, il a gagné. Hein. Hop là. Regarde comment j'ai bien ouvert ça. Très proprement. Hop. Donc, les trois dieux. Parce que justement, je fais la collection du Pokédex. Donc, ils Je vont. t'ai les deux, je me suis dit d'accord, on n'a pas la même vie, pas la même collection. C'est comme quand tu joues à Pokémon Go, tu sais. Oh, bah, excuse-moi, moi j'ai que des dieux. Oh non, encore un Shiny. Donc, les trois dieux, parce que justement, je fais la collection du Pokédex. Donc, ça va m'aider à finir la collection de Galar. Donc, ce que je propose, c'est on sort tous les boosters, donc, y compris la boîte ici. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau. Il n'y a pas un ciseau derrière moi? Si, il y a une trousse. Donc, c'est une magnifique box Giratina. Voilà, je l'ai pris parce qu'il y a Giratina. J'avais le choix entre Galam, qui est sympa, hein, et Ectoplasma. Non, Ectoplasma. Lui, j'oublie son. Comment il s'appelle? Oui, c'est Ectoplasma, je crois, j'ai raison. Ou Ectoplasma, c'est le fantôme. Le fantôme, je pense. Mais Hop là, une magnifique box en métal, parce que ça sonne métallique. Voilà. C'est ma seule explication, incroyable. après, ça se trouve, c'est pas du métal, non, mais Ouais, c'est possible. Donc Giratina qui est magnifique. Et là-dedans, voilà, 4 petits boosters. Ça fait pas beaucoup en vrai quand je le dis. On a quoi? On a 2 points de fusion et 2 origines perdues. Alors je me souviens avoir ouvert celui-là une fois et j'étais tombé sur le dieu. Donc magnifique dieu de l'Olympe. Parce qu'il a des nuages. C'est juste pour ça que je l'ai dit. Donc moi ce que je propose, c'est on fait un tchac chacun. Il y en a 2, 4, 6. Il y en a 6, on en prend 3 chacun. Alors vas-y, choisis. Choisis. Avoue que j'ai pris, t'allais dire choisis, t'as pris en premier. Oui, tu sais, quand t'as dit choisis et je t'ai vu après, j'étais en mode. Attends, il me dit choisis, mais il le prend en premier là. Choisis, mais prends pas ça. Bah, donc t'as le choix entre toutes ces figures-là. Voilà. En vrai, lui, il est grave stylé, comment il est beau. Ça, c'est la version My Little Pony En de. vrai, je prends celui-là, mais j'étais entre ces deux-là. Ça, c'est la version My Little Pony d'un dieu hyper stylé à la base. Mais je prends celui-là. Je vais rester dans les tons un peu rose pastel. Ah non, mais je veux dire, non, mais t'as pris deux fois un. Oui, de fusion. Deux origines. Elle m'a fait un fusion. Ouais. Bah, en fait, t'as le choix entre tous ces deux-là, du coup. Du coup, je vais prendre lui. Et Bah, déjà, moi, je prends lui, du coup. moi. Et lui. Ok. Donc, j'ai pu trier mon Pokédex ce matin, donc je me souviens à peu près ce que j'ai rentré dans les données. Parce que j'ai fait un tableau Excel, tout ça. Sur mon ordi et sur mon téléphone, comme ça, c'est plus rapide. C'est ça que tu sais? Ouais, c'est ça que je fais. Je pensais que tu faisais tes études. Non, D'accord, ok. non. Quelle Je remplissais mon physique Pokédex. parce que j'ai rien fait du week-end. Alors, du coup, moi, je pense que je vais commencer avec le point de fusion, parce que c'est l'extension qui a le moins de choses stylées. Voilà, donc. Je vais faire pareil, comme ça au moins on sera. Comme ça, on aura nos attentes qui vont venir, c'est ça? Alors, donc, moi, j'ai toujours ouvert le mien, parce que je suis trop rapide. Hop là. J'ai aucune patience, c'est surtout pour ça. Alors, les 4 dernières, je crois, c'est celles qu'il faut passer en premier. Donc, 4, voilà, parfait. J'ai même mis le code. Alors, les 4 dernières en premier. Donc, énergie eau. Petit colosinge que j'ai déjà. Flotouton. Pourquoi... Ah oui, il y a un câble. J'avais même pas vu. Flo, machin. Je l'ai dit son nom il y a 10 secondes, j'ai oublié. Gros doudou. Ah, gros doudou, je crois que je l'ai pas. Je vais le mettre là. Makuhita, mini singe, mini ange. Oula, il y a juste une reverse, je crois que j'ai vu. Dar. Je vais mettre de côté parce que je crois que je l'ai pas. Alors l'ange, ok. Gris-pattes, j'ai pas. Nounourson, je l'ai. Zigzaton de Galar, qui est très stylé quand même. Je crois que je l'ai pas. Et un Papillusion en river, non, en holo, pardon. Voilà. Qui est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, mais je l'ai déjà. Quand je dis je l'ai déjà, c'est qu'il est dans mon Pokédex déjà, donc ça m'intéresse pas trop. Vas-y, attends, je le dis. Le cadre.
Et il est incroyable. Voilà, alors donc on a Zeraora. Zeraora qui est magnifique. Ils ont une énergie, on s'en fiche. Feuille ou ton. Je vais trier tout ça déjà parce que. Ah, j'ai peut-être Oh, trouvé j'ai la une mission. danseuse. Une danseuse. Il y a vraiment juste écrit Si danseuse, elle a pas de nom. tu veux une C'est danseuse. danseuse. Ah ouais. Brutalibri. Férosinge. Flammajou. Muscule. Mais qu'est-ce que. Embroché. Mais que c'est mignon. C'est Un peu de focus. dangereux, c'est dangereux. Voilà, je l'ai retrouvé. Snubbull. Et Latios. Voilà, en plus j'avais pas les Latios, du coup c'est magnifique. Donc en fait, t'as chopé deux Pokémon que j'avais pas. Donc tu vas me les donner. Rigole. C'est le racket. Maintenant ils sont à moi. J'arrive pas à les sortir. J'arrive pas à les sortir, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose d'incroyable à l'intérieur, genre un dieu légendaire, ultra badass. Ou alors ou alors un autre demi-dieu. Hop là. Donc j'ai ouvert Astre Radieux. Alors, attendez, les quatre dernières, on les met en première. Donc, de l'herbe. Magnéton, le marais bouche bée, un Togetic plutôt sympa. C'est qui l'a dessiné? Ok, on continue avec le petit code Krizik. Oula, ok, c'est pas évident. J'ai l'impression que ok, Simularbe, on voit qu'il y a une petite reverse là. Je me suis spoil comme une merde. Apinitri, Baudrive. Quack, un Charcos. Charcos, waouh quoi, merci, et un Nachicateur qui est magnifique, 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 magnifique. Voilà. Bah, je fais ça suite. C'est ce que j'attendais que tu... J'ai envie que tu débarrasses. Donc, Régidrago. Énergie, ça fait deux fois. Ouais, c'est plus doux. Dinoclier. Masbal. Chaffreux. Caninos. Grelasson. Furéglon. Ponyta. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Pijako. Et Apitrini. Ah non, c'est pas fini, il en reste une là. Non, c'est ma dernière. Ah bon? Ah, c'était quoi la première? Régidrago. Non, il en reste une là, non? Attendez. Attends. Normalement, t'en as 12, hein, c'est ça? 10. 1, 2, 3, 4. Attends. 1, 2, 3, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Attends, quoi? What the... Attends, peut-être qu'il y en a Attends, une il est encore où? dans le sachet. Ah, il y en a encore une dans le sachet, je crois. Ah non, mais Non. non. Attends, what? Pas non. Attends, t'as pas Elle double? compte le lien ou pas? Non. Non, pas non, Quoi? alors il en manque une. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, c'est normal, en fait, c'est parce que c'est celle-là, en fait, la dernière. En fait, celle-là, c'est une reverse, mais qui n'est pas holographique. Ok. Enfin, non, une rare qui n'est pas holographique. Ok, en fait c'est ton carotte une variante. Ok, tiens. J'ai failli prendre les dieux. Ok. Donc, 3, 4. C'est parti. Une feuille. Des bras remontoirs. Nariyama. Spectrum. Code. Lumicus. L'Archéomir, Blizzy, Lipoutou, Sepiatop, Poufoufou. Ça y est, ça y est, c'est bon, on peut tout arrêter. C'est bon, la reconversion, Gardevoir radieux. C'est leur version shiny. C'est bon. Un petit shiny qui fait plaisir et un Rafflesia holographique. Je crois que j'avais un Rafflesia, mais qui n'est pas naturel. Ah, Lipoutou, j'avais pas non plus. C'est cool.
Ok. Donc, je laisse continuer. C'est bon, je peux rentrer chez moi. Énergie. Luminéon. Ah, il est joli. Portail mirage. Je dis, il est joli aussi, je me suis rappelé. Ah, c'est juste un poisson, en fait. Chartor. Je vais le focus, j'ai envie de le tuer. Dynavolt. Fantominus. Opermine. Cornèbre. Corneille de Cornèbre. Chenipote. Mimiki. Oh, il est joli. Il est joli. Je l'avais pas en plus. Porygon Z. Et ton corps carotte la holo. Voilà, ça c'est censé être une holo du coup. Franchement, ça va. Ça va. Bon, on a quand même eu des. Ça c'est un dur, hein. Je te le dis au cas où. Donc en vrai, ça va. On a quand même eu des choses pas mal. Donc, on va faire le tri vite fait, je vais vous dire ce qui va rester chez moi. Ok, donc c'est bon, j'ai fait les deux tas séparés. Là, le tas de ce qui est ce dont je n'ai pas besoin finalement. Donc je vais le montrer assez vite. Hop. Il n'y a que une reverse et une holo. Je suis assez surpris. Là, il y a pas mal de communes. Voilà, donc je vais les passer. Donc tout ça, ça ira en vente. Voilà, je vais mettre Card Market ou alors tous les autres sites là de vente. Voilà, c'est à voir. Voilà, donc ils sont assez sympas. Je vais mettre les brillantes en dessous comme ça. Les autres, elles vont pas s'abîmer. Et voilà, donc là, ce que je garde. Voilà, donc là, pas mal de petites communes. Voilà, donc des rares qui sont communes. Voilà, hop là. Évidemment, la petite promo Giratina. Les cartes que j'ai achetées sur Card Market. Et là, je suis assez content. Parce que ça fait une suite. Ça fait holo. Pas mal de l'eau. Voilà, donc là, les promos. Et quelques petites cartes. En vrai, on a eu pas mal de raretés hein, qui sont intéressantes. Voilà. Donc, sur ce, je pense qu'on peut se dire au revoir. Bon, pour la prochaine, finalement. Donc. Ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Mélodie, le mot de la fin, tu veux? C'est toujours à moi de le faire. Comme vous le savez, liker, blablabla, et puis. Ouais, tout le blabla finalement. Donc, liker, voilà. Commenter. Si quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, dites-nous ce qui vous intéresse, on le fait. Bon, après, déconnez pas, hein, si c'est à 200, 500 euros, wow, mollo les gars. Mollo au niveau du budget. Allez, ciao tout le monde.